La michetonnerie n'est jamais finie. Jamais finie. La michetonnerie. La michetonnerie ne sera jamais terminée. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon frérot Fafa. D'ailleurs on a fait une vidéo ensemble sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il m'a fait un prank d'enculé, je mettrai le lien dans la description. Et je suis aussi avec Kevin Marin, qui a décidé aujourd'hui de rester avec nous parce qu'il n'avait pas grand chose à faire. Bon, c'est trop ça. Ah oui, rajoutez-le sur Instagram aussi, son Insta s'affiche en bas si vous voulez le rajouter pour parler avec lui. Il a rien à faire, comme vous l'avez compris. Bref, les amis, aujourd'hui, on va aller dans un parc. Dans cette vidéo, les amis, on nous a contactés sur Facebook pour cette vidéo, car il y avait beaucoup de vols sur un parking pas loin de chez nous. Donc là, il est 9h du matin, on va se rendre sur le parking et on va attendre voir s'il y a des gens qui viennent voler une voiture quelconque. Si c'est le cas, on interviendra et on fera en sorte que la personne ou les personnes ne recommencent plus. Allez, c'est parti. Les gars, bon là, on vient d'arriver sur le parking. Apparemment, c'est ici qu'il y a beaucoup de vols. Donc, on va voir comment ça se passe. Et si on voit quelqu'un de suspect, on n'hésitera pas à intervenir à ce moment-là. Il y a deux jeunes là. Tu peux zoomer dessus, s'il te plaît? Rien à voir. Mais tant aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Quoi. Tant on vient là, on se pose une. Tu sais, comme une journée, j'ai perdu comme ça. À attendre 24 heures. Apparemment, ils sont chelous les deux là. Attends, retourne sur eux, s'il te plaît. Fais, regarde. Deux mecs. Ah, mais c'est une daron, gros. Ils sont petits, mais depuis tout à l'heure, ils tournent autour des voitures, frérot. Alors, je veux pas être parano. Mais tu sais, comme j'ai vu tellement de choses dans ma vie que ça me surprendrait même pas. Tu vois, qu'un mec, il a volé avec un petit. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il a donné un truc dans la main, tu as vu? Il a donné un truc. Il a combien de tuer et tout, ouais. Ouais, c'est bizarre, hein, t'as vu? Qu'est-ce qu'il prend? C'est quoi qu'il lui a donné? Je sais pas, frérot, il a donné un truc dans la main. Je sais pas, j'ai pas vu. T'as pas vu ton 21? Et toi, Kev, tu arrives? Mais non, regarde. Ils rentrent dans leur voiture. Décolle-toi un peu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Encore le petit, il a un couteau et il est en train d'ouvrir la serrure. Mais la vie de ma mère, il est en train de avec un couteau, le petit. Mais gros, il a 10 ans. Je sais. En fait, il apprend, en fait. Je te regarde bien. Ah ouais, il explique. Oh frère, c'est un délire. Qu'est-ce que c'est? Attends, tu sais ce qu'on fait? Regarde, on fait rien pour l'instant. Ouais, putain, ils ont réussi à ouvrir. Hein. En même temps, la voiture, c'est une merguez. Tu sais ce qu'on fait? Non, regarde ce qu'on fait. On voit, s'ils arrivent à la démarrer, on y va, on le bloque direct. Ah. On le fait même pas sortir la voiture, tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, mais c'est sans pas... pression. Après, tu sors pas la voiture? Oui. Oh, il a démarré en deux. Attends, on y va? Oh! C'est ma voiture, hein? C'est ma voiture, ça, hein? C'est ma voiture, je connais ma voiture quand même. Ah, ne bouge pas, arrête, oh stop, éteins le contact, essaye d'ouvrir. C'est fermé. Essaye. Oh stop, appelle les flics, direct. Ouh. Appelle les flics, oh, stop, arrête, bouge pas, stop. Tu veux quoi, tu veux qu'on aille aux flics? Arrête, oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Oh. Arrête. Oh, les gars, mettez-vous derrière. C'est Noël, mais va. Oh. Arrête. Lève-toi. Stop. Arrête. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Stop. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête. Eh, mais frérot. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Maniqué. Il a calé.
Allez, chope-le, 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 chope-le. Ah, chope-le, prends le petit. Oh. Tiens, Fafa. C'était qui lui? Ton père? Et tu vois là, quoi? Ton père? Quoi? C'était son père, gros. Quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ton père, il t'apprenait ou quoi? Pas dur. Pourquoi tu peux pas dire? T'as quel âge? Tu sais que c'est grave là, moi t'as mis au commissariat, tu le sais? C'est ton père? C'est ton père? Ton père il te laisse comme ça? Toi, j'ai pas envie de te faire mal, tu es tout petit. Ah, c'est ton père lui, t'es sûr? Et ton père il te laisse comme ça? Et t'as quel âge? Vas-y. Il Vas-y, rentre dans la voiture. Ouais. T'as mis au flic. Il place la voiture, c'est naturel. Eh oh, vas-y, oh, vas-y, arrête, je t'explique. Oh. Tu as 10 ans dans le cul, ne fais pas le voyou. Hein? Tu voles des voitures, tu te prends pour un voyou? Tu te prends pour qui? Vas-y, vas-y. Ouais, c'est pas Pablo Escobar. Ouais, Escobar. Vas-y, va, prends, dépasse ta voiture. Je sais pas, frérot, il est comme son daron. Cherche pas. Cherche pas. On va appeler les flics là. Ils vont venir te chercher, tu es mineur. Tu t'en bats les couilles. Là, c'est pas la police, faut que tu appelles les services sociaux, c'est pas normal. Quel âge tu as? Tu restes là. Ah, reste, tu bouges pas. Tu restes là. Quel âge là? Quel âge tu as? Mon âge. Legit, 12 ans. Non, j'ai pas 12 ans, y'a pas d'âge. Kevin, tu peux rester à côté de lui au cas où tu as de l'autre côté? Je attends, vite, c'est à l'autre côté. Fais vite, fais vite, fais vite. Je sais pas, j'ai. Attends. C'est lui, c'est daron ça. Ouais. Et toi, tu fais quoi avec ma voiture? Je suis fou, vas-y. Sors de la voiture. Non, non, je sors rien du tout. Je sors rien du tout. Alors le petit va aller nulle part et on va appeler les flics. Ouais. Non, non, le petit va nulle part. T'as 12 ans, tu lui fais voler? De quoi je me mêle? Comment ça, de quoi je me mêle? Tu es en train de voler ma voiture, ne me dis pas de quoi je me mêle. C'est notre voiture, c'est ta voiture, je m'en bats. J'ai une assurance, non? Ouais, et bah toi aussi, tu as. Ok, je m'en bats, t'es un gamin, qu'est-ce que ça? Comment ça, baisse d'un temps? Mais t'es un fou, toi, quoi? Tu restes là, tu restes là. Le petit, c'est ma mère, alors qu'il doit être déjà fini tes poches. Tu t'en ramènes pas compte, c'est ma mère. Tu dis quoi? Il sort pas, le petit? Ah, déjà, tu ne me châtiges pas, quoi, la paix de ma mère. Mais toi, vas-y, la paix de ma mère, arrête de filmer parce que. Non, non, on filme, on filme. Je m'en bats les couilles, je fais pas trop pour la touche. Vas-y, éteins ta caméra, c'est ma mère, t'es un peu de bander. En vrai. Vas-y, en vrai. Non, il se passe pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça avec le petit? Et toi, pourquoi tu fais ça? Toi, pourquoi tu fais ça avec le petit? Et c'est ton problème? Ouais, c'est mon problème. En vrai, mais c'est mon problème. C'est toi qui me donnes à manger? C'est ma voiture. Ouais, c'est toi qui donnes à manger au petit? Pourquoi? Travailler, frère. Hein? Je comprends pas. En vrai, c'est quoi le problème? Va travailler, va travailler. En vrai, travailler pourquoi? Pour 1300 euros, tu fais quoi? En vrai, ah, c'est mieux de voler des Peugeot 206. Ouais. Et je m'en bats les couilles. Laisse-moi prendre, je crache pas dans la soupe. En vrai, ah, tu craches sur ton fils. Vas-y, toi, arrête de filmer, t'es en train de m'énerver la tête. Arrête maintenant. Fafa, s'il te plaît, appelle les flics. Ouais, ou Kevin, appelle les flics, s'il te plaît. Vas-y, c'est moi qui t'appelle le conduit de quoi? Oh, je t'ai dit quoi? Allez, allez, c'est bon. Stop, lève-toi de là, lève-toi. C'est quoi ça? C'est au petit ça? Tiens. Tiens, garde-le, garde-le. Garde-le, garde-le. T'es en train d'appeler, ça sonne. Et puis vas-y, fais le sortir. Non, il y a des flics. Je vais arriver de toute façon, je t'explique. Ça va répondre. Pourquoi tu as appelé les pépis, en vrai? Pourquoi j'ai appelé l'équipe? Parce que tu as volé ma voiture, tu crois quoi? Frère, mais ça va, tu savais, frère, c'est une 206, frère. Et alors, justement, tu voles une 206, toi? Ah, mais frère, c'est ta voiture, toi? Ah, voilà, de quoi tu es en train de trop faire. Vas-y, et toi, je te dis quoi, espèce de trou du cul? Combien de fois je te dis, arrête de courir plus vite? Espèce de trou du cul. T'as vu maintenant dans la merde où tu te retrouves? Hein? T'as vu? Et t'as cru quoi? Tu crois que j'allais me retrouver moi dans la merde avec toi? Mais tu sais quoi? Eh ben, regarde, tu vas te faire un. Que, en vrai, la tête de ma mère, ouais, bravo! Bravo! Les gars, applaudissez, bravo! Bravo, le père! Bravo, bravo, bien ton père, hein. Alors, t'as vu ton père? Ton père que tu aimais tant machin, t'as vu? C'est bien, t'as laissé tout seul. Bravo. Ta mère, elle est où ta mère? Elle est morte. Ta mère est morte? Et c'est ton père qui t'éduque? Et souvent tu fais ça avec ton père? Ouais. Souvent? Et tu vas pas à l'école? Je suis scolarisée. Tout ça. Tu sais que ton père il t'a laissé là, il t'a abandonné là. Je rentre à pied. Non mais tu rentres pas. On a mais au service social, mon pote, je suis désolé. Hein. Si. Moi, je te laisse pas avec ton père. Hein. Pourquoi? C'est pas un père, ça. C'est pas bien pour toi. Non. Pourquoi tu pleures? Il m'a abandonné, mon père. Comment tu t'appelles? Arrête de pleurer. Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo? Oh. Arrête de pleurer. Calme-toi. Nous, on n'est pas des méchants. On va pas te faire de mal, d'accord? Tu comprends bien quand il est obligé de t'amener aux services sociaux parce qu'on peut pas te laisser dans la rue. Ils vont m'amener où, eux? Ils vont te trouver une bonne famille. Comme toi? Mieux que moi. Donc faut arrêter de pleurer, ça sert à rien que tu pleures. Ouais, pas cher. Son père il a abandonné, sa mère elle est morte. Hein. Je vais pas y aller avec lui. Avec qui? Avec ton père? Oui. T'avais pas envie de faire ça? Non. Et souvent, il t'a forcé à faire ça? Non. Il te disait quoi? Et on va voler. Et sinon quoi? Si tu voulais pas y aller, il faisait quoi? Sortait le couteau. Ton père te sortait le couteau? Tu crois pas.
Tu prends. C'est sérieux? C'est la photo que vous avez, mais lui, il me l'a sorti plein de fois. Et t'as menacé avec? Ouais, celui-là. Attends, on aurait dû l'enculer, gros. Et ça, c'est quoi là? Ce que t'as sur ton bras là, c'est quoi? C'est lui ça? Il m'a traîné par terre. Ça aussi, c'est lui? Ça, là. Il m'a piqué. Avec le couteau? Ça? La cicatrice que t'as, c'est le couteau? Filme. D'accord. Bon, là la situation est assez délicate, hein. Il y a Fafa et Kevin qui sont restés avec le minot. Ce que je vais devoir faire moi c'est d'appeler les services sociaux parce que j'ai pas le choix. Le petit, sa mère elle est morte, son père il a laissé, et en plus même s'il avait pas laissé, il amène voler des voitures, il amène faire des conneries. Donc moi je suis désolé, le petit je vais être obligé de l'amener aux services sociaux, je vais arrêter de filmer pour le petit parce que c'est bon, il est déjà assez mal comme ça. Et je pense que ça sert à rien d'en rajouter. Je vais l'amener aux services sociaux. Je vous ferai une petite outro un peu plus tard, le temps qu'on ait les services sociaux. Voilà, c'est malheureux le petit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, petit? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, Fafa, moi je vais, on va arrêter de filmer par respect pour le petit, peu cher. Il est pas. Chaud de la peine, ce petit. Eh, je sais. On va arrêter de filmer, on amène aux services sociaux. On va aller aux services sociaux, on va montrer les images aux services sociaux. Oui, ils vont si le aux services sociaux. Ils vont voir qu'il y a un problème, que le père il amène un machin, d'accord? Moi s'il faut je le garde 2-3 jours. Hein. Non mais tu n'as pas le droit. Ouais, mais tu n'as pas le droit. Après si les services sociaux t'as ils disent droit, oui. Tu vois, mais tu n'as pas le droit. Normalement c'est commissariat et eux ils font les démarches et tout. Eh oui. Et il est pris direct en charge. Bah, amène-nous au commissariat ou au service social alors? Commissariat. Commissariat. La question aussi c'est, est-ce que toi tu as envie de retourner avec ton père ou pas? Non. Tu vois même lui ça. Ouais mais t'as l'heure, une chose. C'est papa. Il a manipulé ce petit. Oui, manipulé ce petit. Bon, allez, on arrête de filmer et on filme après. On va l'amener au commissariat. On l'amène au commissariat. Bon, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je remercie Kevin. Son Insta s'affiche ici. Sans lui, le petit serait fait la cavale. On n'aurait pas pu le garder. On n'aurait pas pu l'amener aux services sociaux. Et je remercie aussi Fafouné du ghetto qui a une bonne poignée et qui me touche les fesses. Mais blague à part, les amis. Pour vous dire un peu ce qui s'est passé, parce qu'on vous doit des explications. Là, vous voyez, c'est la fin de la journée, le soleil il va se coucher. On a amené l'enfant à la police, on leur a expliqué, on leur a montré les vidéos. Le petit est resté avec les policiers et les services sociaux sont venus le chercher. Donc, si j'ai des nouvelles, je vous en donnerai. Mais là pour l'instant, c'est encore trop tôt pour vous dire. Je remercie mes deux frérots encore une fois. Fafa, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce qu'on a fait des vidéos ensemble et il m'a fait beaucoup de pute. Et en attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h sur ce même chaîne. Pour une nouvelle vidéo ou une autre expérience sociale, on verra. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne secondaire. Je vous fais de gros bisous à tous. Et le message que je vais faire passer, c'est surtout, si vous avez des enfants, éduquez-les correctement et ne leur montrez pas les conneries que vous faites. Si vous en faites, le mieux, c'est de pas en faire du tout. Ciao.